Corinthiens 6, on va lire. On va lire à partir du verset 12, non, à partir du verset 14. Ça sera plus vite. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Tu peux lire, c'est bien, vas-y. 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mmh. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Mmh. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mmh. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Mmh. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Mmh. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mmh. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Mmh. Car Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mmh. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Mmh. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mmh. Et je vous accueillerai. Continue verset 18. Je serai pour vous un père. Mmh. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà. Amen, c'est clair ici, hein, voilà, verset 17. Tu vois là. Ne touchez pas à ce qui est impur. Bien aimé. Et ce mot là, impur là. Aïe, Seigneur. Ce mot impur. J'étais là. Vous savez, parfois on a parlé, on a beaucoup partagé aussi, enseigné sur les choses du monde. Bon, le Seigneur n'interdit pas les parfums. Amen, je l'ai dit. Oui, bon. Voilà, c'est pas grave les parfums. Quand on prend, par exemple, les parfums, ça n'interdit pas les parfums. Quand on prend l'histoire de, voilà, de Judas, voilà, qui, hein, voilà, qui voulait qu'on vende ce baume-là, mmh. Voilà, voilà, qui avait amené Marie, hein, voilà. On connaît l'histoire, voilà. Donc, mais en fait, après, je me dis, mais en fait, il y a baume et baume. Il y a parfum et parfum. Et ce matin, j'étais là. Je prends le. On le sait, mais c'est juste quoi là. Je prends le téléphone, lui. Et là, je comme quoi. Hein. C'est pas facile. Il faut vraiment persévérer parce que on peut être vite laxiste sans se rendre compte. Faut être beaucoup équilibré. Et oui, c'est vrai que quand je vois le parfum, le pub là. Quand je me rappelle le pub, j'adore. Le pub de Paco Rabanne. Invictus ou Invictus. Je vois des pubs. Et quand j'ai regardé toutes les images de pubs qu'on fait la pub, c'est sexiste. C'est sexe, sexe, sexe. En fait, les femmes nues, les hommes nus, voilà, des positions, ouais. Hein, oh, Seigneur. Invictus, il y a même le... En fait, tu dis wow. En fait, il y a parfum et parfum. Regardez que ce parfum que Marie, voilà, avait... mis sur les pieds du Seigneur, avec su avec ses pieds, ce baume là, ça rien, ce nard qui coûtait cher, 300 deniers, ou même Judas a dit, oh, on aurait pu le vendre pour aider les pauvres, cela dit quoi. Non, elle le fait pour comment dire, voilà. Et vous aurez tué les pauvres avec vous. C'est vrai, vous avez dit encore les pauvres. Amen. Elle n'a pas menti. Amen. Voilà. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec un parfum qui était consacré en fait. En fait, aujourd'hui, ce qui était là, quand on parlait de au milieu des saints, l'envoûtement, en fait, on ramène l'impureté, en fait. C'est-à-dire que quelque chose qui est consacré à un démon, tu mets ça. Beaucoup aujourd'hui attirent des maris femmes de nuit. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je vous dis la vérité, hein, je vous dis, moi j'y dors aussi. Voilà. En fait, parfois, tu vois, c'est terrible, en fait. Lui, c'est juste un parfum. Oui, mais c'est impur. Ben oui, il y a parfum et parfum, je refuse pas, la fleur sent bon. Il y a des parfums qu'on fait normalement, il y a des gens qui font des parfums, tu fais, voilà, tu crées un parfum. Mais c'est pas pareil qu'une fabrication qu'on va associer à quelque chose d'impur pour que ça se vende bien. C'est différent en fait. En fait, tout est dans l'équilibre. C'est pas parce que le Seigneur est mort à la croix, c'est-à-dire que tout le monde est devenu sauveur du monde.
Quand il est mort, il y avait deux brigands, un à droite, un à gauche. Mais il y avait un seul sauveur, c'était le Machia. Et pourtant, la croix, il y avait des gens à côté. C'est pas dit que parce que quelqu'un était pendu à la croix, qu'il est mort, c'est-à-dire que ça y est, il est devenu sauveur du monde. C'est pareil, c'est pas parce que, oui, Marie a utilisé un parfum et que c'est pas interdit, donc tu le parfum, non. En fait, non. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est l'équilibre en fait. C'est vraiment qu'il faut qu'on soit équilibré. C'est pas parce que c'est un vêtement qu'on peut le porter n'importe comment. C'est pas parce que c'est de la nourriture, on a mangé n'importe quoi. Je dis pas que, comprends mon langage, que oui, forcément, faut pas manger les aliments impurs, nous on n'est pas là-dedans. Nous on mange de tout car tu es sanctifié par la parole et la prière. Oui. La parole est claire. Voilà. Mais c'est pas dire qu'on va manger de tout. Ah ben sinon, on a qu'à. Je vais être un peu cru. Quelqu'un est mort, il n'y a plus de vie. Bah écoute, on prend le cadavre, on prépare avec le ketchup et tout, puis c'est passé. Hein. Ketchup frites. Vous comprenez pas? Non, mais parce que c'est manger, non? Enfin, on ira à la morgue, il y a de quoi à manger. Pourquoi ça se fait pas? Parce que tout n'est pas mangeable, en fait. Et qu'il y a des limites, en fait. Ouais, donc c'est... Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où il faut revenir voilà, à la simplicité, quoi. En fait, c'est dans les détails. Là, c'est un exemple. Hein, et que oui, c'est un parfum, en fait. C'est quelque chose qui est impur. Parce qu'il est déconsacré à la divinité. Donc celui qui va s'amuser à, comment dire, à acheter ça pour... voilà. Par exemple, là, les fêtes arrivent, hein. Amen, pour ceux qui croient en ces... Amen, ceux qui fêtent ces fêtes-là. Fêtes païennes, Noël, Nouvel An, tout ça. Là, les gens font quoi? Ils vont acheter coffrets, cadeaux, même les chrétiens. Ah, les pubs vont commencer, là. Pour mitrailler, les pubs. Ah, non, là, regardez, un tel est passé. Ah ouais, elle est parfaite. Et du coup, on va acheter pour faire un cadeau à son mari, à sa femme ou aux enfants. Mais ce parfum-là, il est passé par où? Quand tu vois dans la pub, tu dis waouh, c'est ce que je mêle. Je m'attire quoi comme esprit. Vous voyez? Donc c'est pas une question de parfum, d'odeur, parce que le Seigneur, devant son trône, il y a des parfums. Amen. Il y a des parfums. Il y a des senteurs. Au ciel, ça sent bon au ciel. Mais c'est pas les parfums sur terre aujourd'hui qui sont, malheureusement, voilà, à la gloire du diable, à la gloire des démons. Donc, voilà. En fait, il faut beaucoup d'équilibre, quoi. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et du coup, on participe indirectement aux œuvres infectieuses des ténèbres, indirectement. Et le Seigneur le voit. Mmh. Le Seigneur est saint. Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il n'agit pas comme il faut. Parce qu'il voit le monde au milieu de vous. Il voit les vêtements, c'est pas ça. Il voit les apparences, c'est pas ça. Il dit, mais moi j'ai créé Jules comme ça. Et là, deux semaines après, Jules les a créés. J'ai pas aimé qu'il soit noir. Mais Jules, il est blanc. Voilà, là, il y a des pigments, là, des... Sinon, il dit, mais attends, moi, je te connais pas. Parce que moi, celui que j'ai créé, je l'ai créé noir. Et l'inverse aussi. Voilà, moi, j'ai créé Julien, blanc. Et là, je vois quelqu'un qui est mat, hein, bronzé. Ah, c'est... Mais non, ça, c'est pas blanc, ça. Ça, c'est quelqu'un qui est bronzé, mais je sais pas. Seigneur, t'es merveilleux. Non, je suis pas merveilleux, parce que toi, tu penses que, vu que je t'ai créé blanc, c'est pas bon, il fallait que tu te crées un mat, hein, un type méditerranéen. Donc je suis pas bon pour toi. Seigneur, t'es merveilleux, tu m'aimes. Non, je t'aime pas, parce que je t'ai créé noir, tu vas te mettre les produits, tu deviens blanc. Et tu finis par tomber malade, cancer, et puis maintenant il faut qu'on prie pour toi pour que tu sois guéri. Ça. Et donc en fait, c'est terrible. Bien aimé. Donc en tout cas, l'heure est grave, je pense qu'on doit vraiment se ressaisir, on doit prendre position, amen, pour la vérité. On peut pas laisser ça en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Voilà, ouais, c'est. J'ai d'autres choses à parler. Je vais m'arrêter là, mais. Je dis waouh. Quand je m'a mis ça à l'esprit, je dis waouh. J'ai compris pourquoi depuis quelques jours, c'est. Il me dit waouh. Non. Il faut rappeler ça. Il y en a qui ne savent pas, en fait. Beaucoup ne savent pas que l'excès est dangereux. C'est ça. Voilà. L'excès. Voilà. Beaucoup ne savent pas. Voilà. Le parfum n'est pas interdit, mais. Mm-hmm. Quel parfum tu mets? Tu l'as acheté pourquoi? Parce que t'as vu la pub à la télé, mais cette pub là. C'est ça? Remonte à la pub. Quand t'as vu là, t'as vu quoi? T'as vu un homme torse nu qui court avec après une femme? Ou t'as vu un homme dans le. Il y en a un là, qui tu vois carrément la sirène. Hein. Il y en a un dans le bassin dans la nuit là. Il y a la tête, il est comme ça. Et après on voit une femme qui sort de l'eau. Après qui disparaît dans l'eau. Après il voit l'étoile. Il dit attends, imagine, t'as dit quoi l'image? Elle dit que ça parle de quoi? C'est pas d'un esprit des eaux? Voilà. Ah oui.
L'autre là, Invictus, là, musclé partout là. Et les femmes nues à gauche, à droite, il est fort, avec une coupe à côté, tout ça, donc quoi. Donc, c'est l'autre, l'homme, ma femme. Quoi. Quand tu achètes ça, tu mets ça. Mm-hmm. Bon, si, il faut que quand je passe là. Ah, c'est qu'il y a un esprit derrière en fait. Et du coup, quand tu mets ça, t'as des idées, t'as des pensées. En fait, c'est ça en fait. Quand tu mets ça, ben ça y est, tu commences à séduire en fait. Une femme qui met ça, qu'est-ce qui se passe? Les hommes là. Même à l'assemblée, si la cette chrétienne vient à l'assemblée avec ces parfums là, ben, s'il y a des frères qui sont pas enfermés là. Ah, bonjour, ma, bonjour. En fait, non. Parce qu'elle vient de mettre quelque chose de. Un poison. Mmh. Voilà, qui envoûte en fait. Et du coup, voilà. Ah, mais pourquoi il me regarde comme ça? Mais, ma soeur, t'as mis quelque chose de ténèbre. Mmh. Et du coup, ceux qui sont pas enfermés là, ben, ça y est, ils commencent à te trouver belle. Ah, voilà, c'est, bonjour, tu sens bon, hein. Ah, et ça y est, et des pensées. Mmh. Voilà, ça y est. Ça y est. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Ouais. Puis demain là, mais ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. C'est la finalité. Et voilà, c'est ils sont tombés. Ouais. Voilà. Amen. Donc, en tout cas, que ça nous aide en tout cas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. C'est ça, parce que même quand tu vois, il y a même des parfums, il y a un parfum de Jean-Paul Gaultier qui s'appelle le mal, carrément. Mmh. Donc là, tu comprends. Mais oui, c'est important d'en parler, c'est important d'en parler parce que c'est là où vraiment je vois que le Seigneur il travaille. Hein. Ce matin, quand j'arrive en bas, là, on dit, bon, comme je t'attendais, j'ai une pensée qui m'est venue depuis la maison. Ça parlait de l'humilité. Et en lisant, en fait, il y a un mot qui a titillé mon esprit, esprit de parti. Mmh. Esprit de parti. Et j'ai été voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, on dit souvent qu'il ne faut pas avoir l'esprit de parti. En fait, si. Pour la vérité. Pour la vérité. Parti, c'est. On va prendre parti pour la vérité, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne soit pas d'accord avec la personne ou pas, si et seulement si la vérité est prêchée, et ben moi je suis partisan de la vérité. Faut prendre position en fait. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on prenne position pour la vérité. Même si ça doit entraver nos relations amicales. Même si ça doit entraver tout fonctionnement de quelque chose, tout. Et bah tant pis. La vérité. Tant pis en fait. Tant pis parce qu'il y a trop de légèreté, trop de légèreté. On ne peut pas se permettre de, parce qu'on a peur de vexer la personne. Dès qu'on dit une vérité aujourd'hui, tout de suite tu me juges. Non, non. Si tu es enfant du Seigneur, peu importe la vérité, tu l'accepteras. Parce que c'est pas nous qui parlons, c'est la parole qui parle. C'est la parole et si la parole dit ça, c'est ça. On se mêle, on dit amen, on se répond et puis c'est tout. Ah oui. On reconnaît. C'est et... ça. C'est vrai, on est tous dedans. Moi, j'étais un grand fervent de parfum, le frère Alexis. J'étais un grand fervent. Mais aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends parce que bah, le Seigneur permet qu'on voit les choses et qu'on comprenne quoi. Quand tu vois quelque chose, si tu ne veux pas, soit tu as vu, soit tu ne veux pas tout simplement accepter. Mais ouais, aujourd'hui, les églises, les assemblées sont polluées. C'est maquillage à outrance, ce sont les faux ongles, c'est incroyable. En fait, aujourd'hui, aller à l'assemblée le dimanche, c'est aller en soirée. En boîte de nuit, bah oui, c'est ça. C'est aller en boîte de nuit, un mariage. Toute la semaine, tu verras la sœur habillée normalement. Dimanche, elle te sort les talons. Wow! Incroyable. C'est incroyable que toute la semaine, le frère, tu le vois en sandales. Dimanche, c'est costard cravate. Ah ouais, là, c'est incroyable. Là, même qui mettent des jambes, hein. J'ai vu des gens qui mettent même des tirs là. Voilà. Il taille les sourcils. Les sourcils. Donc, il fait une coupe comme ça, samedi soir. C'est ça, pour dimanche. Pour dimanche. Là, quand il arrive comme ça, je vais où? À la maison de Dieu. C'est ça. Non, mais c'est incroyable. Et que bien habillé, sapé quoi. Comme jamais, hein, ça fait comme jamais. Ouais. Comme du jamais. Coup, elle est où la logique, du coup? Pour aller à la maison de Dieu, si on n'est pas bien habillé, c'est où la logique quand même? Alors, ça c'est une bonne question. Ouais. Ça c'est une très bonne question. On n'est pas, comment dire, la Bible ne dit pas d'être bien habillé. Après, c'est le mot. Qu'est-ce que tu entends par bien habillé? Voilà. C'est en gros, bien habillé, c'est le fait de te couvrir correctement. C'est-à-dire que tu es un homme, tu ne veux pas aller à la maison du Seigneur nu ou en caleçon. Tu es une femme, tu ne veux pas arriver à la maison du Seigneur en jupe, mini-jupe, non. Donc tu t'habilles normalement. Mais faut pas que tu t'habilles comme genre de le monde. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais en soirée, boîte de nuit,
tirer, tout ça. Mais on dit, non, tu vas pour le Seigneur. Tu sais, quand tu viens, quand on se trouve pour prier, on ne fait pas pour qu'on puisse te voir, toi. C'est ça. Tu viens pas pour me montrer à moi ton dernier costume. Tu viens pas prier pour montrer aux autres ta dernière paire de basket. Ou ta... Voilà, en fait, voilà. En fait, si tu viens pour le Seigneur, en fait. Et ça se voit, ça se sent que celui qui vient... Parce qu'il y en a qui ont gagné leur vie, je comprends. Il y en a qui, pour lui, s'habiller en marque, c'est pas forcément de l'orgueil parce qu'il gagne bien sa vie. C'est un millionnaire, donc pour lui, s'il paye une paire de baskets de 200 euros, 400 euros, c'est pas de l'orgueil parce que ça fait partie de ses moyens. Donc c'est normal, il va venir là, tu vois la paire, ah mais la paire, écoute, j'ai vu le prix, elle coûte 1000 euros, mais il gagne 1 million d'euros. Donc c'est par rapport à ses revenus, ça correspond, c'est pas de l'orgueil. Mais toi, qui gagne 1500 euros, tu sors avec une basket de 300 euros. Dis, c'est quand même, ok. C'est quand même bizarre. Donc, soit, ok, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, soit t'es endetté pour payer la paire de basket. Dans la Bible, interdit ça aussi. On ne s'endette pas pour les choses du monde, en fait. D'ailleurs, la Bible déconseille de s'endetter. Il dit, vous devez prêter aux autres. Mais la Bible déconseille parce que celui qui s'endette devient esclave de celui qui l'a prêté. Elle dit que tu devais esclave. Donc, le Seigneur ne veut pas de ça, en fait. Donc, mais toi, tu vas t'endetter pour quelque chose qui, en gros, ben, qui ne sert à rien. Qui n'est pas, comment, qui n'est pas hypothèque, c'est ça hein, le mot. Quand quelqu'un prend une maison, c'est l'hypothèque. Et que tu t'endettes, mais c'est le prix de la dette est là. Et demain, c'est la maison, tu ne payes pas, on peut prendre la maison. C'est ça. Mais quand tu prends une voiture, tu prends une dette pour une voiture de 20 000 euros, deux jours après, elle perd la cote, elle tombe à 15 000 euros. C'est-à-dire que même si tu veux rembourser la voiture, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ce n'est plus le même prix. Donc, en fait, tu vois, je ne sais pas si tu me comprends. Je pense que voilà. Donc, s'habiller bien, c'est normal pour le Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'on s'habille, on est en crainte, en fait, avec révérence. Donc, c'est-à-dire que quand on s'habille, on ne s'assure pas que, voilà, ma chemise est bien repassée. Il ne faut pas qu'il y ait de plis. C'est ça. On s'assure. En fait, en gros, c'est naturellement, c'est bien naturellement quand vous faites une maison. Ben, c'est ça. Oh, c'est ça. En fait, bien s'habiller, c'est juste se couvrir. En fait, c'est ça. Maintenant, c'est magnifique ta question. En fait, bien s'habiller selon le Seigneur, c'est se couvrir. Et bien s'habiller selon le monde, c'est vouloir plaire. Plaire, c'est ça. C'est... Attirer l'attention sur soi, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Donc là, en fait, le message, en fait, c'est le parallèle entre la volonté du Seigneur et celle du monde. Et du monde, c'est ça. C'est tout. Oui. Bien s'habiller pour le Seigneur, c'est juste se couvrir. Voilà. On ne peut pas sortir nu, donc voilà. On met un pantalon qui est décent. Voilà, c'est on ça. On met un haut qui est décent. C'est ça. On met des baskets qui sont décentes. Et même si aujourd'hui on gagne des millions, sincèrement, si tu es enfant de Dieu que tu gagnes des millions, tu ne peux pas t'acheter des baskets. Voilà, c'est combien ne pas manger dehors. C'est ça, en fait. Voilà. Donc même que le Seigneur te donne les moyens, on sait que c'est pas pour toi. Le Seigneur sait que c'est pas pour toi. Tu sais que c'est pas pour toi. C'est pour toi aussi, mais c'est pour les autres. Donc quelque part, t'acheter quelque chose qui coûte hyper cher, surtout pour les autres, c'est un peu compliqué. Voilà. Parce que juste l'argent que tu as perdu pour la chose que tu as acheté, ça aurait pu nourrir une famille pendant un mois. Ou pendant une semaine, ou pendant deux, trois jours. C'est ça. Tu vois. Donc c'est cette vision en fait du monde que les chrétiens aujourd'hui ramènent dans l'église. Et du coup, aujourd'hui, une sœur de l'église, si elle n'était pas habillée comme le monde, pourrait elle n'est pas habillée. Et c'est ça. Voilà. C'est ça. Tu diras à ma soeur, mais tu sais, ah non, mais moi je peux pas. Je sors pas sans maquillage. Sans être parfumé. Je sors pas si je sens pas bon, sors pas si. Voilà. C'est ça en fait, c'est les si. Hein. On se met des conditions, on se met des. Voilà. Définir la. C'est la condition du monde. Voilà, c'est la condition du monde. C'est ça, tu as tout compris. Voilà. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Et ça fait mal le cœur en tout cas. Et pourtant, on sait que voilà, là, quand on lit Jacques 4 là, on se dit oui. Celui qui se lie d'amitié avec le monde devient automatiquement, en fait, c'est ennemi. Et que c'est fort. Et quand tu commences à aimer le monde, là, et que automatiquement, le Seigneur commence à. Ennemi, c'est un mot fort quand même. Il dit celui, hein. Il dit pas que le pain, il dit celui. Et que tu sois converti ou pas. Si tu retombes, c'est-à-dire que le Père devient ton ennemi. Là, ben, c'est ça qui. Rien que d'y penser. Et que le Saint-Esprit devient. Ton adversaire. Wow. Ah. C'est. Yeah. Voilà.
Monsieur Sandrine nous aide. Hein. Moi, c'est des messages qu'on prêche en ce moment, au moins pour. Ouais. Les versets, les gens les connaissent. Alors qu'on sait de les verser, mais ce qui, la différence, c'est qu'entre la citation et la pratique, c'est deux choses différentes. C'est ça. Tout à l'heure, tu avais parlé de la volonté, frère, pris l'exemple de la volonté. Ben, le professeur le dit dans Jean 4 là-bas. En gros, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est d'accomplir son œuvre, en fait. Là, c'est le Fils qui parle. Et en fait, ma nourriture à moi, quand les apôtres, voilà, ils voulaient, ils se posaient, mais il a mangé quoi? Non, j'ai déjà mangé. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? La femme l'a ramené à manger, mais il n'y avait personne ici, on l'a laissé là. Et puis cette femme, elle est partie, la Samaritaine est partie, mais maître, mange. Voilà. Amen. On va le lire. On va lire, on va passer, on va arrêter là. La volonté du Seigneur, c'est ça en fait. C'est la volonté du Père, c'est vraiment de la nourriture, de notre nourriture de tous les jours, c'est de faire la volonté du Seigneur et d'accomplir son œuvre. Jean 4. Merci Seigneur pour ta parole. Jean 4, on va lire juste le verset. On va lire le verset. Voilà, Jean 4 à partir du verset. Verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 4, 31. Qu'est-ce qu'il dit? Mais pendant ce temps, les disciples le priaient en disant: Rabbi, donc maître, mange. Amen. Jean 4, 32. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre: quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Et Yeshua leur dit: mon aliment, donc ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est tout. Donc, c'est-à-dire qu'un disciple, on a notre maître, c'est qui se machia. Donc, notre nourriture, ce qui nourrit notre homme intérieur, ce qui nous fortifie, c'est de faire la volonté, en fait, d'appliquer la parole du Seigneur tous les jours. Amen. Et d'accomplir son œuvre. Ça fait deux choses, en fait. Donc, un chrétien qui dit: oui, moi je pratique la parole du Seigneur, oui, mais si tu ne fais pas l'œuvre, c'est-à-dire que tu ne manges pas bien. C'est ça. Et que ta croissance, elle est bancale. Donc il y a la nourriture dans la pratique de la parole et aussi aller œuvrer. En gros, ben, aller. Allez, la moisson seconde a très peu d'ouvriers. Donc il faut y aller aussi. Donc celui qui refuse d'aller, mais qui veut seulement appliquer la parole personnellement, au bout d'un moment, sa marche ne sera pas parfaite. Il y aura des lacunes. Donc il faut celui aussi qui persévère dehors, œuvrer, mais qui refuse d'appliquer la parole. Vous voyez, hein? Il dit, ah, une parole du Seigneur. Voilà. En fait, celui qui y allait beaucoup sont dans l'œuvre. Hein, qui vont œuvrer, témoins de Jéhovah, des catholiques, René, hein, voilà. Ils ont, mais quand on revient à la doctrine, il n'y a rien. Marie, Mère de Dieu, Archange Michael, voilà, les statues, les saints, Lourdes, mais non. Donc, ça va œuvrer, et ça donne de leur temps, de leurs moyens, hein, ouais, même nous on ne fait pas ça. Donc, ils sont dehors, ils croient rouge, ils donnent. Mais quand tu ramènes la parole, oh non, 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 oh non, non, non. Et celui qui est aussi pareil, parole, sanctification, sainteté, moi pas de boîte de nuit, moi pas des garçons, là, là, je suis bien. On va œuvrer. Ah non, 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 pour l'instant, non, non, j'ai pas œuvré. T'es pas mieux que l'autre en fait. C'est ça. Et que chacun dans un sens ou l'autre, non. Et donc, alors, il faut les deux pieds, pratique et œuvre. Là, t'es un disciple accompli. C'est facile à dire, mais il faut le faire. Et ça demande l'aide du Seigneur. Il faut qu'il soit là. Et puis voilà. Amen. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit répéter tous les jours parce qu'il y a des gens qui sont soit dans une position ou dans l'autre. Et c'est pas parce qu'il y a des combats et des situations que ça justifie d'être soit dans l'œuvre sans pratiquer la parole ou d'être dans la pratique sans œuvrer. Ça ne justifie rien. Le Seigneur a dit, la nourriture véritable, c'est la pratique de la parole et l'œuvre. C'est deux. C'est les deux. En fait, c'est les deux pieds. La nature nous enseigne. Hein. Avec un seul pied, tu n'iras pas loin. Avec les deux pieds, tu cours plus vite. Donc, ouais, en fait, il n'y a pas de hasard. Mais bon, quand tu dis ça aux gens, le Seigneur m'a rien dit. Ok, un mois. Deux ans après, alors, il ne m'a encore rien dit. D'accord. Huit ans après, il ne m'a encore rien dit. Ah, pendant le champ, là, la moisson, là, le monde, là. Qui va travailler dans le monde? Voilà. Amen. Voilà. C'est incroyable, hein. Voilà. Ah, amen. Donc, en tout cas, bien aimé. Le Seigneur est merveilleux. Ah, voilà, je...